et regarde la plage, la mer. La mer est basse, calme. La saison est indéfinie. Le temps blanc. Une femme aux yeux fermés, assise. L'homme qui marche ne regarde pas rien, rien d'autre que le sable devant lui. Sa marche est incessante, régulière, lointaine. Le triangle se ferme avec la femme aux yeux fermés. Elle est assise contre un mur qui délimite la plage vers sa fin, la ville. L'homme qui regarde se trouve entre cette femme et l'homme qui marche au bord de la mer. Du fait de l'homme qui marche constamment avec une lenteur égale, le triangle se déforme, se reforme, sans se briser jamais. Cet homme a le pas régulier d'un prisonnier. La mer, le ciel occupe l'espace. Au loin, la mer est déjà oxydée par la lumière obscure, de même que le ciel. Trois. Ils sont trois dans la lumière obscure, le réseau de lenteur.
Et puis, il y a un cri. L'homme qui regarde ferme les yeux à son tour. Un cri. On a crié vers la digue. Le cri a été proféré et on l'a entendu dans l'espace tout entier, occupé ou vide. Il a lacéré la lumière obscure, la lenteur.
Personne ne marche sur le chemin de planche, mais sur les bancs qui sont le long de ce chemin, des habitants sont assis. Ils se reposent. Ils sont silencieux. Ils sont séparés les uns des autres. Ils ne se parlent pas. L'homme qui regardait passe. Il marche lentement. Il va dans la direction qu'a prise le chien. Il s'arrête. Il revient. On dirait qu'il se promène. Il repart. On ne voit plus son visage. La mer est plate, il n'y a pas de vent. Le voyageur repasse, le chien ne repasse jamais. La mer commence à monter en direction. On l'entend qui s'approche. Un choc sourd arrive. Des embouchures, des embouchures. Des embouchures. Est très sombre. Thank you.
s'éloigner, à sortir de l'immobilité, c'est lui, l'homme qui marche. Son pas à lui est régulier dès qu'il se met à marcher. Elle le suit. Ses pas à elle sont d'abord titubants, très lents. Sont mortes sur la plage. Du côté de la digue, un chien. Le chien mort est face au pilier d'un casino bombardé. Au-dessus, le ciel est très sombre, au-dessus du chien mort. C'est après l'orage. La mer est mauvaise. L'endroit du mur reste vide. Le vent bat, le vent bat.
Oh.
s'arrête de façon indiscernable. Tant son mouvement est lent. De même, la séparation des sables et des eaux. La lumière monte, ouvre, montre l'espace qui grandit. L'incendie à son tour se décolore comme le ciel et la mer. Pendant un temps, un instant, elle sera aveuglée. Puis elle recommencera à me voir, à distinguer le sable de la mer, puis la mer de la lumière, puis son corps de mon corps. Après, elle séparera le froid de la nuit et me le donnera. Après seulement, elle entendra le bruit, vous savez, de Dieu, ce truc. Il se taise. Il surveille la progression de l'aurore extérieure. Il surveille la progression de l'aurore extérieure.